C'est bien tout ça qu'on le voyait Emmanuel qui t'a pas dans sa communauté et explique comment c'est pas facile juste pour comment il est vraiment le coach la forme bien pour qu'il est plus super de tes kilos. Donc on va l'écouter maintenant. Attendez, il y a fait story time. Non, il n'y a pas de story time. Vous avez vu aujourd'hui, je n'ai pas filmé ma séance de sport. J'ai quitté du sport comme ça. Et j'ai dit aujourd'hui à Al de venir me chercher et me déposer. Comme d'habitude, j'ai toujours la flemme de conduire. J'explique à mon prof. C'est pas mon prof, c'est mon coach. Donc je lui dis, les mouvements qu'on est en train de faire, c'est comme si j'ai mal au bas-ventre en fait. Il dit d'accord. Je lui dis, en fait, c'est comme si j'ai des règles douloureuses. Je lui dis, tu vois de quoi je parle? Il dit, non, j'ai pas de règles douloureuses, je n'en ai pas. Pas de soucis, gars. Je lui dis, mais là, c'est comme si je suis en train d'accoucher. Tu vois les contractions qu'on accouche, là. Je lui dis, tu connais un peu? Il me dit, non, j'ai jamais accouché. Je lui dis, gars, il aime Evan, il faut arrêter. Hey! Je lui dis, il m'a dosé aujourd'hui, c'est-à-dire, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Là, je pense que je vais aller prendre un verre. Il me faut un verre. Alors, franchement, il me faut un verre. Donc, voilà. Et donc, comme je ne suis pas bien et qu'on m'a fait trop galérer, en fait. Et du coup, là où je vais partir, je vais aller au chill-out. Voilà. Il faut absolument, en fait, que je puisse détendre mes nerfs quelque part. Et rien de mieux, en fait, qu'une bonne bière. Désolé. Le chill-out, en fait, est géré par un très bon ami à moi, Sylvain Goz. Donc, j'aime bien venir me poser là. Voilà, voilà. Tout ce que je voulais. Merci. Merci. Voilà.